Mike Tyndall et son épouse Zara Phillips ont été placés derrière le prince Harry à l'abbaye de Westminster. Dans son podcast, Mike Tyndall raconte ce qu'il a vécu avec sa femme à leur emplacement. Le mari de la nièce de Charles III s'est senti frustré lors de la cérémonie du couronnement. Le couronnement du roi Charles III d'Angleterre et de la reine Camilla s'est bien déroulé à l'abbaye de Westminster, le 6 mai 2023. Le prince William et Kate Middleton ainsi que Charlotte et Louis, leurs deux cadets étaient au premier rang, au plus près de l'hôtel. Le prince George est entré lui-même dans l'histoire en étant un des pages du roi d'Angleterre. Le prince Harry, 38 ans, qui a fait le déplacement depuis la Californie pour n'assister qu'à couronnement, a été placé au troisième rang. Le plan de placement par ordre de succession n'a pas été appliqué, sinon, il aurait été placé au même rang que son frère, le futur roi d'Angleterre. Le prince Harry était assis aux côtés des princesses Béatrice et Eugénie. Mike et Zara Tyndall ont été placés encore un peu plus loin de l'hôtel, derrière le prince Harry. Cet emplacement n'aurait pas beaucoup plu à l'ancienne star du rugby de 44 ans, rapporte le magazine Hello. Dans le coin où il s'est retrouvé avec sa femme Zara Phillips, Mike Tyndall dit qu'il avait chaud et qu'il ne pouvait rien voir. Tu es dans le coin le plus chaud, mais tout se passe dans le coin, là où tu ne peux pas voir, déclare Mike Tyndall, dans son podcast The Good, The Bad and The Rugby. Couronnement de Charles III, Mike Tyndall a dû suivre la cérémonie sur un écran, ce n'est pas pour autant que l'ancien rugbyman soit ingrat. C'était incroyable d'être assis là, mais frustrant, nuance Mike Tyndall sur ses propos. Lui et sa femme Zara Tyndall, a-t-il raconté, ont dû se contenter de suivre la cérémonie sur un écran accroché sur l'un des piliers de l'abbaye. Si la cérémonie n'a pas été très édifiante pour le couple Tyndall, rappelons qu'ils ont profité d'une soirée en amoureux jusqu'au petit matin la veille du couronnement de Charles III. À propos de l'auteur introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ces derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.